Eh bien donc salut tout le monde, c'est moi Oscar, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur The Division donc PC. Donc j'ai repris vite fait la série aujourd'hui même. Je vous la sortirai sûrement en version d'une heure, un truc du genre. Donc c'est vraiment pour le fait de dire que c'est un let's play, le fait de dire que ça dure longtemps. Donc vous inquiétez pas, je ferai la série donc logiquement jusqu'à la fin. Tout simplement parce que ce jeu est juste magnifique. Et il est juste, il est magnifique, franchement il est cool. Alors, la dernière fois qu'on s'était arrêté, on était où plus ou moins? Je sais plus là où j'étais. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai fait vite fait une seule mission, après je sais plus trop. Ok. Qu'est-ce qu'un écho? Ah oui, normalement une vision du passé normalement. Je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Enfin, allez, façon de dire vite fait quoi. Enfin, vite fait ce qui s'était passé avant. Ok. Pour un assistant de laborantine. C'est peut-être là-dedans en fait. Je vais essayer de les convaincre encore une fois. Judy, que vous arriviez à les persuader ou pas, il faut que les gens soient mis au courant. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans mon émission, mais si vous pouviez au moins me donner un petit quelque chose. Je dois y aller, je vous rappelle. Disparu. Comment je fais pour aller là-haut? Je vais passer par ici? Peut-être? Non. Je ne vois pas. Par là? Je ne suis pas Spider-Man, mon gars. Donne-moi des infos, please. Boom. Mm-hmm. Je ne sais pas. Disparu. J'ai dit machin. Partie 2. Ouais, mais je viens, mais c'est où? Peut-être qu'en montant, ah voilà, sûrement ici en montant, peut-être qu'on sait atteindre un point pour sortir, pour être de l'autre côté. Ou alors je suis juste en train de perdre mon temps peut-être. Là, c'est mon instinct qui me dit que je dois passer par là. Voilà, je l'avais dit. Il doit bien y avoir ici des trucs à récupérer, non? Non. 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 Toujours pas. D'accord. Alors, fouiller la zone. La surveillance. Eh le gars, c'est Watch Dogs ou quoi? Putain. Et c'est tout hacké et tout, normal. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Ok. 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 Donc ces gens sont complètement inutiles. Il y a des autres personnes là-bas. Examiner. Ok, j'ai fait tomber son écran. Si d'accord. Je ne dirai rien sur eux avant de leur avoir donné l'occasion d'arranger les choses. Ça devient n'importe quoi alors. J'ai failli prendre ma journée en disant que j'étais malade. J'ai un peu mal à la gorge. J'ai un peu mal à la gorge. C'est suicidé vite tout ça. Ok. Je m'en fous de ce que tu dis. Je m'en fous de ce que tu dis. Sélectionner la mission. Quoi, j'ai déjà fini? Mm-hmm. Que fais-tu? Que fais-tu? Ok. Et je vois pas en fait hein. Normalement là c'est bon. Ça me dit rien. Putain, c'est tellement beau. Paysage juste magnifique, c'est abusé. Bon. On va revenir sur nos pas, y'a toujours rien. Putain, quel bon d'égoïste, ils sont pas laissés de sac pour moi quoi. Ok.
Ok, normal et tout, tranquille. Ah bon, je suis un faux en fait, oui. J'arrive pas à descendre les escaliers, du coup, ben. Je dois les passer comme ça à chaque fois. J'ai perdu du temps pour rien, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour la swagitude de la chose. Valise des coups actifs détectés. Construction. Qu'est-ce qui va venir maintenant? Toujours la même chose. Pourquoi tu viens dans mon écho? Tu te fous de ma gueule? Pas venir toi. Ok. Toi ta gueule toi. Ta gueule toi. J'en ai rien à faire de ce que les Anderson t'ont dit. Fais gaffe, connard. Ok. Mais non, pas toi. Écoute, prépare les affaires des enfants et surtout tu n'oublies pas les médicaments de Mélissa. Il va falloir qu'on quitte la ville. Ok. Ok, ça va. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, mais je vais vous demander de partir. On veut juste sécher un peu. Non, désolé. Il faut prendre vos affaires et quitter les lieux. Vous êtes sur une propriété privée et vous gênez la circulation. Mais il n'y a pas de circulation ici. Allez, soyez sympa. Ah, j'avoue. J'avoue. Elle fait trop le fou. Alors. L'ennemi est résolu. Ce ne sont pas des monstres, monsieur Balassi. Je suis l'équipe Scooby-Doo. Ouais. Lourd. Que vous arriviez à les persuader au grand, il faut que les gens soient mis au courant. Écoutez, écoutez, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans mon émission, mais si vous pouviez au moins me donner un petit quelque chose. Je dois y aller. Je vous rappelle. Ah, ça m'aide pas, quoi. Ça n'avance toujours pas, hein. Mon dieu. On va jamais y arriver, hein. Oh, un sac! Oh mon dieu! Bon, ouais, ça, moi, c'est, ça, ouais, c'était pas, hein, c'était pas ça, quoi, hein. Ok. On va essayer de trouver une mission plus intéressante que celle-ci. On a tout l'immeuble à nettoyer, 14, les gars. 10, 13. Tout est 10, 13, en fait, ici. À part celle-ci. Trouver sécurité de largage de ravitaillement. Ouais, bon, on va aller là. Agent, il faut qu'on récupère une caisse de ravitaillement avant que quelqu'un d'autre la trouve. Je sais qu'on peut y arriver. Mais oui. N'importe quoi. Non, mais y a pas de souci. Écoute, on peut très bien faire ça. Y a aucun problème. Faut juste que mon personnage court un petit peu plus vite ou change ses boots de la mort qui tue. C'est même pas des boots, c'est des Air Max, on dirait comme ça. Ouais, c'est des Air Max. Ouais, c'est des Air Max, le mec. Bonjour, je peux vous aider? Non. Déjà. Non, arrête, je comprends pas ce que tu dis. Toi, tu peux quand t'es le boss, toi. Oh! Est-ce qu'elle m'est énervée, là? Wesh, alors! Putain, il veut mettre masse dégâts, ce bâtard. Eh, quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as plus tes copains? Qu'est-ce qu'il fait avec son petit gun, le type? Voilà! Voilà comment je les neutralise, les petites baltringues. Utilisez la console! La console de jeu! Putain, gros bolos. Bon. C'est bien tout ça, mais. Eh putain, je peux jamais être tranquille! Ta gueule! Ils vont pas arriver, qu'ils vont mourir. C'est tellement réaliste! Oh là là! Allez, attaque le chien, attaque! Ah, d'accord, très bien. C'est tellement réaliste! Ah, si c'est votre gueule aussi gentiment, y'a pas de soucis, hein, gros. Non, c'était une blague, hein. C'était une blague. C'est ça, tes forces hostiles? Je les baise, moi. Je leur fais l'amour. Entre les fesses, mon ami. Non, je vais voir d'être traqué, il est seul contre 5, arrêtez, vous savez très bien que vous allez vous faire niquer. Ah, le bâtard. Normalement, je vais rien avoir. Ouais, j'arrive, c'est bon. On va pas te faire l'amour, arrête. Oh là là, rabat-joie. Vas-y, mais viens en contact.
Il y a un contact, grosse pute. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ah ouais, t'es comme ça, toi, hein. Tu veux que je tire sur ton pote, tu me tires dessus, hein. Ah, le bâtard. Alors? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et viens, contact, toi, si tu veux. Hop là, une petite balle. Ah ouais, 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 ouais. On se calme, on se calme. J'ai un laser, t'arrêtes. Monte ta tête. Allez, monte ta tête. Putain de bâtard. C'est une fumée de bâtard, ça, quand même. Je pense pas, là. Allez, meurs. Meurs, meurs, meurs. Ça va. Bonjour. Tu sais que tu as un gros calibre. Je parle de son arme, hein. Quel mec, quoi. Ouais, il croit n'importe quoi. Il croit n'importe quoi. Il croit n'importe quoi, le type. Ouais, ils sont où, hein? Ah, ils sont là. Putain, j'arrive pas à les toucher. Ils sont morts. Non, c'est toi qui vas crever, tous tes potes sont morts. C'est quoi ta logique de merde? Oh, vous êtes deux. Waouh. Ah non, excuse-moi, vous êtes plus qu'un. Avec un con avec une batte. Et je sais pas là où il va. T'as le seum ou pas? C'est qui va mourir? Rappelle-moi. C'est toi. C'est où? Ah, c'est là. Alors? Non, c'est... Wow, 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 on se calme, on se calme. Je pète un câble. Pour te mettre le seum. Le seum, boy. Oh non, en fait, il m'a remis exactement au même endroit. Coco. Ah. Ferme-moi la main, hein. Salope. Non. Non, 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 ça, ça peut être possible, hein. Je t'aime pas, voilà. Alors, localiser l'antenne et rétablir la communication. Agent, on a quelques difficultés avec le réseau de communication, vous pourriez essayer de... Mm-hmm. Ah, on verra, on verra. Pareil, alors. Peux pas... Je m'en bats les couilles. C'est moi qui ai foutu le bordel, t'arrêtes. Alors c'est qui fout le bordel? C'est qui fout le bordel? C'est qui fout le bordel? Hein, non, non, j'ai rien dit. Hein. C'est moi. Ouais. Tu croyais quoi? Je t'aime pas. Gros bâtard. Ah, merde, j'avais pas vu qu'il y avait un truc. Ok. Donc en bref, je suis allé là, j'ai pas été ici, donc il faut que j'y aille. Et il faut que j'arrive à atteindre la porte qui est là. Non, ici. Putain, j'ai cru entendre une bombe. Normal. Attends, avant d'aller là-bas, j'ai envie de faire un tour ici. Voilà, ici il y a plein de petits indices sûrement. Il y a sûrement aussi des équipements, j'imagine. Ouais, ou de la bouffe, voilà. Que je ne peux pas ramasser. C'est vrai. Un sac. Toujours vérifier parce que genre des fois vous pouvez tomber sur des putains d'équipements, genre des putains de sacs et tout. Ou même des skins, etc. Bon, en bref, y'a rien, c'est bon. On peut y aller. Hop, alors. Voilà, justement, une veste moderne. Je vais aller voir si ça donne quoi. Oui, en général, non. C'est apparence. C'était une veste machin, une veste moderne. Pff, ouais, non, je préfère celle-là. Je préfère la mienne. Elle est plus sobre. Faire petite préférence, c'est tout. Par contre, le balai, je le veux bien là. Veste en cuir solide, hein, tout prendre. Ça, on va voir ce que ça va donner. Apparence, une veste en cuir. Veste en cuir, ici. Ouais, non, laisse tomber. Je préfère la mienne. Ah, une poubelle. Ça, par contre, ça m'intéresse. Combien la poubelle? Alors. Ok, je sais pas le prendre. La fenêtre de la mort qui tue. Elle est pas...
passe. Voilà. C'était Arielo. Ah, attends, parce que je pense qu'il y avait un truc là. On va aller voir. Il y a quelque chose? Non. Putain, j'ai l'impression. Ah non, c'est le. Ok, c'est le. L'alarme. Enfin, c'est son réveil quoi. Voilà. Faut que j'aille là-haut et comment je fais? Comment je peux arriver jusque-là? Ah, ici, voilà. J'ai pas vu. Ok, maintenant j'ai compris. Allez, écoute-toi, il faut que j'arrive là-bas. Attends. Et maintenant? L'échelle? Oui. Oui, monsieur, l'échelle de la mort qui tue. Putain, c'est un truc que, encore un peu, j'allais devoir recommencer, chercher pendant 2 ans, tu sais. Bon, allez, cours. Ta gueule, toi. Oh, j'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé, mon gars. Voilà, j'y suis. Et après... Après, je peux lui niquer, ce PD. Oh, oh. Merde. Oh, tu m'as raté! Comment tu m'as raté? Ta gueule, toi. Ouh. Tu fais le rebelle? Non, 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 non. Ah, putain, j'ai failli mourir. Ok, je vais retrouver les touches. Que des low kicks, que des low kicks. Une seconde, je rigole plus avec toi. Comment ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Ça bug dans tous les sens. Vas-y, meurs. Au revoir. Il va s'auto-tuer normalement. Même pas. Ouais, comment c'est n'importe quoi. Voilà. Tcha-tcha. Ok, rétablir le courant. Non. Non. Mais je savais pas moi, putain. Putain, pute. Putain, pute. Je vais tout refaire en accéléré. Donc, hein, bref. Je dois aller là-haut. Donc le truc là sert absolument rien. Bon, à part peut-être pour partir. Ensuite, il faut que j'aille là. Ensuite, il faut que je monte là. Ensuite, il faut que je monte là. Oula. Ensuite, il faut que je prenne la petite échelle. Oula. Ensuite, il faut que je monte là. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'ils nous font pas faire? Bon. Ensuite, il faut prendre l'échelle qui est là. Hop. Et ensuite, il faut aller ici. Moi, j'avais pas vu en fait qu'il y avait un truc au-dessus, sinon j'aurais dû le faire. Et pour aller là, il faut passer par ici. Voilà. Ils ont l'air de compliquer les choses, mais vraiment d'une façon complètement inutile, vous voyez. Hop. Hop. Voilà. Oh, vas-y, va te faire enculer. Va te faire enculer là. Putain. C'est trop chiant. Allez. Aïe, je m'en fous de perdre la vie. Vous pouvez me dire. Rallumer. Ouais, c'est bon, ta gueule. Hein, vous. Voilà, nickel. Comme d'habitude. Au fait, je sais. Je voudrais vous donner un petit conseil de pro. Tenez-vous-en à ce que vous faites de mieux. C'est ça le secret du business. Vous êtes bon, hein. Ah ouais. Il y a assez d'acteurs comme ça. La division a besoin de vous. On s'en fout des chaînes de télé. Je sais. Je sais. C'est ce qui donne le plus, donc on va aller là. Vous allez devoir localiser les caméras de sécurité du Highline et trouver le moyen de les réactiver. Du Highline. C'est drôle d'ailleurs, je les avais utilisés pour mes auditions. C'est enfin, bref, drôle, hein. C'est différent cette fois-ci et c'est très important. En tout cas, pensez à votre public, mon vieux. Public. Allez, cours plus vite. Plus vite. Allez, cours. Allez. Cours plus vite, allez. T'es un gros pédophile. Bon. Y'a pas des petits ennemis là. Je m'ennuie là. Il va sûrement en avoir. Je leur mets 2 petites balles dans la tête. Headshot. Tu cours vite, hein, tu sais. Tu cours très très vite, hein. J'ai même peur de te rattraper. Bon. Est-ce que ce serait possible d'aller un peu plus vite? Est-ce que ce serait possible d'avoir une voiture aussi? Ce serait cool, hein. Ce serait cool, hein. Bon, vas-y. Je suis Ben 10. T'as pas vu l'omnitrix qui allait dans mon dos? Là, sur mon sac, lourd. Ok, ensuite je vais aller là-bas. Il y a sûrement un petit chemin, sûrement par là.
Non, c'est pas par là du tout, c'est là-bas. Tu vas y descendre pour rien. Y a même pas de temps, c'est nul. Comment tu veux que je batte mon record? C'est quoi ce truc là-bas? Ça fait peur. C'est un petit œil rouge comme ça. En mode, tu vas te prendre une balle de sniper dans la gueule, mon gars. Arrête de faire le malin. Pas le malin avec moi. Non, mais en vrai, je sais pas c'est quoi. Je vais regarder vite fait. Ou alors, c'est des bêtes lumières, je sais pas. Ça me fait peur tout ça. Non, c'est des caméras. Enfin, du moins, je pense. J'espère. Sinon, je vais me faire démonter. Oui, monsieur. Alors. Ah. Bonjour. Tu ne m'as pas vu? Non, c'est pas vrai. Hein, y'a quoi? Tu vas prendre dans ta gueule, putain. La mort nulle. Sur Skype, c'était 2 minutes dans le jeu. Lourd. Alors, casquette militaire tendance. Ça m'intéresse tout ça. Apparence. Casquette. Casquette militaire tendance. Ouais, non, en fait, non. Ouais, celle-là, elle est bien. Non, je déconne. Elle est moche. Non, celle-là, elle est bien avec casquette de Rainbow Six Siege. Elle est cool. Elle est cool. Ouais, comment je fais pour descendre? Ah, je viens de taper tout le chemin là-bas. Chelsea, niveau 2, 4. Ouais, c'est de la merde, ça. T'as fini de tirer sur les alliés? Ah bah sur les alliés, mais je veux dire sur les gentils, grosse merde. Waouh, 28 XP. Attends une seconde. Je peux pas aller là-bas. Donc ça sert à rien en fait d'aller là. En fait, retourner au niveau 2 pour rien, putain. Mais si je descends, je pense que je me fais démonter, mais... d'une façon totalement abusée, mon ami. Comment je pourrais passer? Est-ce que c'est possible de passer par là? Ah, ici. Non, on ne peut pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Peut-être qu'ici, en montant comme ça, je peux y arriver. Allez, saute. Saute. Allez, Billy. Non, tu veux pas. Ok. Si je passe comme ça, tu veux pas? Non. Ok, c'est pas grave, écoute. Est-ce que je peux sauter? Non, je ne peux pas. Si je tire dessus. Sur le bouton rouge. Non, ça ne marche pas. Comment tu veux que je l'atteigne? À moins si je descends. Il y a un escalier ici pour descendre? Oui. Ici, voilà. On va prendre le petit escalier. Ravitaillement localisé. Envoie des coordonnées. Ah non, il est là. Il voulait me faire faire le tour pour rien, ce con. C'est vraiment rien, c'est pas possible. On va prendre la petite mitraillette. La petite grosse mitraillette. On va prendre la petite grenade. Bah ouais, c'est trop beau pour être vrai. Au revoir. Oh. Oh, ils s'entretuent ces bandes de cons. Ta gueule. Oh le bâtard, il a un fusil à pompe. Ah oh, sale bâtard. Ah oh, le bâtard. C'est trop beau pour être vrai. En plus il s'est fait... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fous là? Attention, ennemi en approche. T'es comme ça de naissance, c'est passé comment? Attention, force merde. Hostile en approche. Ah, ils sont là, ok. Alerte, engin explosif détecté. Ta gueule, toi. Ta gueule, je t'ai dit. Oh, et alors? Voilà, lui il est mort, il reste plus qu'un. Voilà, on peut le dire, ils ont pas vécu très longtemps, hein. C'est comme l'autre là. Le script de 2 minutes dans le jeu. Attention, force hostile en approche. Attention, bon, vous allez pas me saouler, hein. Une pleine tête. Ta gueule. Putain. Ça m'énerve le putain de recul. Fais qu'au silencieux, moi je suis Hitman. Hitman. Non, j'ai rien à dire. Hitman, j'ai dit. J'ai dit Hitman. 500 dégâts. Il est parti comme une grosse merde. Coucou. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein. C'était un mélange de Max Payne. De Max Payne et de Hitman. Genre.
T'as le seum, hein. T'as trop le seum, bye. Allez, les coquillettes, tout ça. C'est là-bas. Sauf que je pense que je sais pas y aller, en fait. Je pense que ces gros bâtards l'ont bloqué. Oui, monsieur. Non, moi, ça doit être là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'essaies de me vendre, fils de pute? Putain, tu te rends pas comme ça. Wallo. Qu'est-ce que je me disais? Il doit y avoir un trou ici, quelque part. Un truc totalement évident. Comment je pourrais y arriver? Ah, il y avait quelque chose. Non, j'ai rêvé. Je peux te casser ça. Non, d'accord, très bien. Voilà. Alors, donc moi je dois monter ici. Je dois faire quoi? Je dois passer par là, voilà. Je dois passer par ici. Et je dois monter ici, j'imagine. Est-ce que je peux? Ouais, voilà, nickel. Voilà, une fois que c'est fait, j'appuie ici. Voilà. Donc ça c'est fait, je dois aller là-bas. Voilà. Tout ça pour ça, quoi, hein, punaise. N'importe quoi. Alors, l'autre caméra se trouve, j'imagine, sur un bâtiment de la même façon, histoire de faire chier. Ah non, non, pas du tout, c'est cool. Je pars là, hop. Je pars ici, et j'appuie. Activation du relais électrique. Ah, d'accord, merci. Confirmation, réseau électrique local activé. Maintenant il faut que j'appuie sur l'appareil qui est juste derrière, qui est fait, voilà, et que j'appuie là-bas. D'accord. Faut que je retourne là-dessus. Voilà. Et on continue. Mais par contre, je trouve que la manière dont ils ont fait les, allez, la ville et tout ça enneigé, je trouve que c'est cool, c'est super beau en enneigé. Ça me fait penser un peu à GTA en enneigé, mais en beaucoup plus détaillé. Ils tapent la neige sur GTA, mais ils s'en foutent au final. Par rapport à ici, bah, ils ont fait la texture de neige, mais un truc correct. C'est ça qui est bien. Alors, comment je peux atterrir ici? J'imagine que je peux passer par là. Oui. Et j'appuie sur le petit. Ouais, c'est ça. Ça va être un truc encore hyper chaud à trouver, je parie. Oui, juste pour faire chier. Oui, génial, merci. Merci beaucoup. Putain, y'a 46 caméras, tu sais. Oh là là. Ouloulou. Voilà. En bref, j'imagine qu'il y a quelque chose ici, non? C'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, il me tire dessus. D'accord, très bien. Comment je peux atterrir en haut? Ah, là, l'échelle. Ouais, l'échelle qui est là. Sauf que je vais devoir la démonter. On va se dépêcher. Cartonnez-le, hein. Avec de gros cartons, hein. Ta gueule, toi, t'es niveau 5. Qu'est-ce que tu parles? Ils sont où? Ah, ils sont là. Ah, tu fais un petit peu de dégâts, toi, hein? Hein? Ouais, et alors? Et alors? Faut bien s'habituer, hein? Et tu as 2x4. Eh ouais, gros. Eh oui! Oui, oui, monsieur, oui. Bendo na bendo. Ok. Ok. Alors. Oui, la vue sur le mur, c'est pas mal, hein? Donc on peut monter par ici, ils vont pas nous faire chier. Ça parce qu'ils font pas encore des trucs trop chiants, genre il y aurait des trucs encore pires, je pense que ça le ferait pas du tout. Non, c'est là-haut en fait. Et je vais descendre pour rien, c'est là-haut. Échelle. Bon, donc je suis là, j'imagine que je dois encore descendre un putain de truc, oui. Encore une échelle. Ah la trisomique. Ça aurait pu tout simplement le mettre à la vue de tout le monde, hein. Mais bon, c'est juste pour faire chier, voilà. Réseau électrique local activé. Putain. Maintenant je dois me taper l'autre qui est juste ici à côté. Et je dois me retaper un gros chemin de ouf. C'est pas mal ça.
C'est pas mal, oui. On peut le dire. Voilà. J'imagine que par ici on sait l'atteindre. Enfin, du moins, j'espère. On peut voir des magnifiques Jordan. Putain, je dis de la merde. Des magnifiques Air Max. Voilà. Sauf qu'elles sont un peu mauves. Ce qui le fait pas trop en fait. Putain, je vais péter un câble si c'est encore dans une cage. Je pète un câble. Ah, mais non, non. Non. Holo. Et c'est terminé. Holo. Tcha-tcham. Merci encore. Je voulais vous dire, notre costumière a plein de trucs pour s'habiller vraiment comme un agent spécial. Alors, si jamais vous avez besoin. Ouais, tu m'as pas dit la suite, merci. Genre, toi, en fait, t'aimes pas parler à fond. Genre, tu parles à moitié, en fait, c'est cool. Non, c'est cool, franchement, j'adore le concept. Merde, j'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foutre. Les cadavres m'arrivent jusqu'aux genoux. Ça attire les nettoyeurs comme des mouches. Ok. Ok. Alors, le truc où il y a 690 d'expérience, c'est de la merde. Attends, oh, Lulo, putain. On a un chargement qui attend d'être récupéré. D'accord. On devrait pouvoir y arriver. Mais ouais. Heureusement que c'est bien évidemment sur le terrain et pas moi. Oh, ça pute. Parce que j'aime pas être sur le terrain. J'aime pas les chargements. Ah, bon, d'accord. Allez. En fait, j'ai pas envie, en fait. Oh là. En fait, j'ai envie de rien. Oh là. C'est cool, hein. J'ai pas envie d'être avec vous. Voilà, parce que je vous aime pas. Ah, d'accord. Alors. Tu te dis de mourir. Je trouve que c'est une bonne idée, moi. Vous allez avancer dans le monde. C'est cool. Bien mourir, merci. Non, c'est pas vrai, je suis pas touché. Oh le bâtard! Sniper de merde. Ah le sniper, lui, faut que je le démonte. Allez, viens. Allez, venez, on va s'amuser! Ouloulou! Allez, allez, venez! Allez, les copains! Tiens, ramasse dans ta gueule. Ah merde, j'avais pas vu qu'elle arrivait là en fait. Ah, vous m'avez pas touché, hein, je sais pas vous, mais moi. Sauf que lui, il va me toucher, ce bâtard, avec son sniper de PD, et il va m'enlever une barre à chaque fois. Va te coucher, ouais. Monte ta tête. Merci, c'est gratuit. T'as juste des balles, mais oh là là. Loulou! T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'entends pas l'air à jeu. C'est toi qui va crever. Oui, monsieur. Masque de garde. Ah, mais c'est de la merde, c'est niveau 5. Non. Je suis tout seul, hein. J'ai un fusil. Coco. Quête à dernière destinée. Prendre une balle en pleine tête, ça marche. Prends ta balle en pleine tête, bâtard. Oula, c'est feu. Oula. Tu as des très belles chaussures. Voilà. Allez, au revoir. Et la bonne journée. Du coup, on va aller jusqu'à l'autre mission. Largage de ravitaillement Pen Plaza. Lourd. Lourd. Une mission de niveau 5. C'est cool, hein. Ta gueule, toi. Ça incube le gouvernement. C'est obligé. C'est le gouvernement, putain. Non, je déconne, c'est moi, Jenny. Non, c'était une blague. Ah, je suis trop drôle, putain. C'est moi, ton mari. C'est moi. Tu viens de moi ou pas? Ah, le bâtard. À poil. Ah, d'accord. Oh, le bâtard. Et que je t'ai violé, je me souviens. Je me souviens. Non mais c'était une blague. Il fait chier lui avec sa grenade. Ok, ça va. Ah, si, écoute, je fais ce que je veux, hein. Écoute, je suis encore libre. Ok. C'est fini là. Dégage. C'est fini, je veux pas être enfermé avec vous. Ok. Toi, goûte-moi ça. Cadeau. Ah, Starfalla. Je veux pas prendre tes balles en pleine tête. Wow, on se calme, on se calme.
Ok. Non, j'ai pas envie. Arrête de forcer, je te dis que j'ai pas envie. Écoute, arrêtez maintenant. Hein. Alors c'est nul, hein, c'est une grosse merde. Alors victime. Oh, ça fouille, hein, c'est un petit fouillard de merde. Hein. J'ai plus de balles, merde. Aïe! Grosse merde, putain. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, tout masque, ok. Tous les trucs niveau 10. Ah, ça vaut bien toutes ces munitions utilisées totalement inutilement, mais bon, c'est pas grave. Hein. 19. What? Ça fait changer les sourcils? Non, c'est une blague. Ok. Bonjour. Ah, bonjour. Ouais. Par contre, je veux bien, mais je sais pas là où c'est. Ah, la petite échelle qui rend toujours au service. D'accord. Très utile, cette poubelle. Je ne peux absolument pas passer. D'accord, très bien. C'est absolument très utile, hein. Merci de me faire espérer pour rien, mon petit bâtard. Comment tu veux que je passe si je ne peux pas passer? La logique en moi. Il va y avoir un putain de boss, j'imagine. Rejoins la zone de ravitaillement. Protéger la zone du ravitaillement. Je suis là. Je suis caché. Non, c'était une blague, hein. Arrêtez maintenant. Attention, élément hostile en approche. Coucou. Mais ils sont niveau 5. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont trop balèzes, arrête. Oh non, viens pas sur moi, hein. J'ai pas envie de me faire tuer. Il faut 42 dégâts. Je me sens vraiment nul. J'arrive pas à les tuer. Oh là là. C'était une blague, hein. C'était une grande blague. Hein, ou quoi? C'est raté, hein. Je suis pas là, je suis un peu derrière. Hein. Écoute, je sais pas ce que tu fais avec tes yeux, mais c'est pas trop ça, hein. La famille. Ah, mais c'est pas gentil de traiter les mamans, hein. Tu l'as pas déjà dit? T'étais mal élevé, connard. Hein? Hein? Ah, bien ce que je me disais. Oh, la belle couleur rouge. Pff, c'est nul. Ah merde, je dois bouger en fait. 40 mètres. Mais il est où? Ah, d'accord, il est juste là en fait. C'est de la merde, ils sont l'un à côté de l'autre. Coucou! Allez bien! On va s'amuser. Merde, y'a un gars derrière en fait. Il est où? Je le vois pas. What? What? Mais. Mais non, c'est raté! J'étais encore derrière. Hein. Et toi? Sonne ta gueule maintenant? Ouais. Allez. T'as pas dit que t'abandonnais? T'as dit que t'abandonnais, arrête! Voilà, c'est mieux. Écoutez, je peux m'amuser à chaque fois à venir vous tuer. Hein. Allez, ça va vite, allez! Ah, bonjour! Vous êtes là aussi pour le service parental? Non? Ah, non, mais j'ai pas de pistolet, arrêtez de me tirer dessus. C'était une blague, je suis Hitman. Arrêtez! Putain! Et alors? Y'a ton pote qui est en train de cogiter par terre. Mais il est mort, tu m'expliques? Hein. Non, t'as pas envie. D'accord, très bien. Écoute, ça se passait comme ça, voilà. Y'a plein de gars ici qui voulaient parier que vous y arriverez pas. Mais j'ai toujours refusé. Ouais, parce que c'est une grosse baltringue. Parce que j'ai pas grand chose à parier. Et aussi, y'a un petit peu. Parce que je vous aime pas. Ah, c'est ça, bien sûr. Un joli monde enneigé avec du pot de soleil, ce qui n'est pas très très souvent en Belgique. Ils ont tué son père. Sa sœur. Attends, il faut que je sorte la dernière. Allez. Et lui aussi. Voilà. F. Ok, y a pas, c'est pas grave. Bon, je vais mettre du côté du soleil. Parce que c'est beau. La lumière du soleil. Voilà. C'est cool de rester comme ça. Voilà, c'est sobre. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ferai certainement la suite juste après. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à aller sur la chaîne et vous allez retrouver donc l'épisode prochain. Voilà, donc en attendant, je vous invite à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, et bien sûr à partager. Et oui monsieur. Et en attendant, je vous retrouve la prochaine fois. Donc c'était moi Scarf. Peace.